Les Mayas l'ont prédit. Le 21 décembre 2012, un apocalypse va s'abattre sur l'humanité. Nous ne savons pas encore comment le monde va être anéanti. Une météorite? Un apocalypse zombie? Une guerre mondiale telle un match à mort par équipe sur Call of Duty? Ou les trois en même temps? Seul le capitaine sauf McTavish, ainsi que sa commission ultra secret défense, la CNFM, Commission Nationale pour la Fin du Monde, peut sauver la population mondiale de cet apocalypse. C'est parti pour les canulars de l'apocalypse. Oui, bonjour monsieur, je suis bien en pompe funèbre. Alors, je vous explique, bonjour, je suis capitaine Soap McTavish de l'armée de terre française. D'accord. Et je travaille pour la Commission Nationale pour la Fin du Monde, le SNFM. D'accord. Voilà, donc, alors, je vous appelle, je travaille dans cet organisme secret d'État, donc c'est un organisme secret défense, hein. Et, donc, comme vous le savez, le 21 décembre 2012, il y a la fin du monde. Mm-hmm. C'est-à-dire dans quelques jours. Et donc, ma commission est chargée de la sécurité de la population pour prévenir de cette fin du monde. Et donc j'aurais voulu savoir si le système de respawn était opérationnel. Le système de? De respawn. De quoi? De respawn. Écoutez, franchement, honnêtement, vous jouez trop bien, mais franchement c'est trop gros pour moi ça. Ah non monsieur, ce n'est pas une blague. On rigole, les militaires ne rigolent pas avec ça monsieur. Je vous crois sur parole, mais franchement c'est trop gros. Ah bah j'espère bien que vous me croyez sur parole, parce que là c'est la population qui est en danger quand même. Inquiétez pas. Donc, pompe funèbre, on est au service de la population. Ah bah bien sûr, et les militaires aussi. Bah voilà, c'est bien. Donc j'aurais voulu savoir si le système de respawn était opérationnel pour faire réapparaître les gens le lendemain. Bien entendu que c'est opérationnel. Ah, bien entendu. Bah oui. Ah bah je suis heureux de l'apprendre, parce que justement on se disait, zut, si c'est pas prêt à temps, comment on va faire? À la pointe, carrément, à la pointe de la technologie, insertion tactique et tout, quoi. On est à la recréation du monde, déjà. Comment? On en est déjà à la recréation, on a fait une nouvelle commission, nous. Ah, vous avez fait une nouvelle commission? Bah, oui. Ah bah, attendez, j'étais même pas au courant, attendez, bah, je vais prévenir mes supérieurs. Parce que vous êtes dans le secret défense, c'est pour ça, vous, c'est encore plus secret que la défense. Ah bah, oui, je vois ça. Bah oui, non, bah, c'est pour ça, mais bon, bah, écoutez, on se rend compte comme vous voulez, pas de problème, on en parle, nous aussi, on demande des subventions. Ah bah écoutez, je suis très content. Bah si on en est déjà à la recréation, alors bah c'est super. Bah oui, on anticipe tout. Ah bah je vois ça. Donc bah si, bah écoutez, bah là je sais même pas quoi vous dire là. Vous m'épatez. Ah non, je sais que vous allez pas venir. Là je suis carrément épaté là. Je vais prévenir mes supérieurs, parce que là on vous recommandera auprès des autres armées mondiales. Qui t'appelle? Moi j'étais tout à l'heure avec le ministre, on en a discuté encore. Il m'a dit vraiment, Philippe, franchement c'est une idée. C'est judicieux, on n'y avait même pas pensé. Donc normalement tout le monde réapparaîtra le 22 décembre. Ils sont déjà en quoi? Mais ils sont déjà prêts. Ah, ils sont tout le monde va réapparaître. Bah, vous le savez bien. Ah bah, si vous me le dites alors, bah c'est super. Ah voilà, vous êtes content quoi. Ah bah, je suis très très content là. Là, il n'y a plus qu'à, y a plus qu'à attendre le 21 quoi. Il y a des prénoms à donner en priorité, des trucs comme ça? Il y a des quoi? Est-ce qu'il y a des prénoms, des choses comme ça qu'on donne en priorité, qui vous feraient plaisir? J'ai pas entendu, des quoi monsieur? Vous êtes au service des autres? Oh, bah, vous l'avez. Bah, alors, j'ai mon supérieur. Il faudrait éviter de le faire réapparaître après la fin du monde. Oh, c'est déjà prévu, ça aussi. C'est déjà prévu? Bon, bah alors. Eh bah, écoutez, tous les supérieurs des autres. Tous les supérieurs de. Bah, c'est super, c'est nickel. Parce que bon, je vous avoue, il est un peu chiant quand même, hein. Bon, bah, écoutez, parfait. Bah, vous l'embrassez pour nous, vous lui souhaitez une bonne fin du monde. Et on se retrouve tous le 22. Eh bah, on se retrouve tous le 22, bah, y a pas de problème. Voilà. Eh bah, je vous dis au 22, je vous rappellerai pour vous remercier. Eh ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, bisous, bisous. Eh ben, voilà. On est paré pour la fin du monde. On en est déjà à la recréation, on a fait une nouvelle commission. Le
secret des bourses, c'est pour ça que c'est encore plus secret qu'il y a des bourses. Moi j'étais tout à l'heure avec le ministre, on en a discuté enfin, ils m'ont dit vraiment, Philippe, franchement, c'est une idée. C'est judicieux, on n'y avait même pas pensé. Un service à raclette à gagner sur ma page Facebook, au bout de 200 likes.